Bonsoir et bienvenue chez Cédroc, la chaîne YouTube qui vous fait vraiment plaisir. Et oui, on est de retour, on est vraiment de retour après quelques semaines de pause. On est de retour avec The Last of Us, partie 2. J'ai fini le premier en solo dans mon coin, tout seul, comme un ermite. Mais on va partager la partie 2 ensemble. Donc voilà, c'est parti. Hein? J'espère que vous allez apprécier ça. Ça va être sur plusieurs épisodes, bien sûr. Et voilà. À mon avis, je vais un peu espacer les épisodes pour un peu varier les vidéos sur la chaîne. Donc voilà. On va refaire du pur horreur aussi, bien sûr. Pour votre plaisir. Pour votre plus grand plaisir. C'est parti. Donc j'ai vraiment bien apprécié, bien kiffé le premier. J'ai trouvé ça vraiment. J'avais jamais joué, donc j'ai trouvé ça vraiment étonnant. Une histoire de zombies, etc. Enfin, le genre de truc, ça peut vite devenir bateau. Donc là, j'ai trouvé vraiment ça hyper intéressant, hyper scénaristiquement très bien construit, étonnant. Et ça suit pas du tout le genre de logique qu'on aimerait. On s'attend pas en fait. On s'attend pas du tout à ce genre de retournement de situation, etc. Donc j'aime bien. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Donc il semblerait que ce soit 4 ans plus tard. Je sais pas ce qui m'a pris. Oh non, il est devenu vieux. J'étais censé la conduire jusqu'aux lucioles et m'en aller. Il est vieux. On a traversé la moitié du pays ensemble. Oui. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'Armed. Il joue la guitare maintenant. Peut-être Il que je faisais ça pour son bien. combat plus des zombies. Et puis on est arrivé. On a trouvé les lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Non, c'est des conneries, ça. Ils allaient la tuer, c'est tout. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. Il a déjà perdu sa fille, hein. C'est pas vrai. Il allait pas perdre sa deuxième fille adoptive. Moi je les ai butés, moi je me souviens, je les ai butés quoi. Vous ne pouvez pas l'apprendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes Il ces avait un couteau en même temps, tu vois. J'étais obligé. Ah, c'est son frère ça? Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu? Je l'ai sauvé. Il a fait ce qu'il avait à faire en tant que papa. Ça va, ils auraient rien trouvé, arrête un peu. Ils auraient rien trouvé, quel remède quoi. Il aurait juste tué, hop. Allez, Ellie. Je te tiens. Je te tiens. Bloquez les sorties. On le lâche pas. Une tuerie, quoi. Une boucherie. En même temps, sa fille biologique s'est faite buter par un soldat. Il a aucune confiance en l'être humain, quoi. Donc voilà. Quel merdier. Ellie est au courant? Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que son immunité servait à rien. Il a menti. Et elle y a cru d'après toi? Bien sûr que non. Elle a jamais dit le contraire.
devrais y retourner. C'est la bagarre. Je vais mettre les sous-titres juste après, je vois qu'ils sont pas activés. Et rebelote. Here we go again. Avec un cheval. Zombifié. C'est déjà le jeu là? Ah ouais, ok. Excellent, c'est trop stylé. C'est vraiment mieux fait que le premier quoi. Cowboy. Moi je suis un cowboy. Il y a un panneau stop, hein. Vous avez pas respecté le code de la route. Ils sont vraiment insupportables, hein, ces cavaliers. Ils respectent rien, hein. C'est comme les cyclistes. Ils respectent pas le feu rouge. Non. Ah, c'est vraiment beau. Pour un jeu PlayStation 4, si je ne m'abuse. Une PlayStation 4 en fin de vie. Ils ont poussé à leur limite. L1 pour galoper. C'est parti. Je galope. Trop stylé. Ah, ça change du premier, hein, quand même. On dirait une cinématique. Continuelle. Excellent. Putain, avec sa guitare, là, il va tous les tuer. C'est le guitare héros. Le jeu originel de PlayStation 2, bien sûr. Allez, on avance. Petite rivière. Ça, c'est l'Amérique, hein. Allez, tu sautes dans la rivière, vas-y. Saute dans le bassin. Trop stylé. J'ai hâte de voir les... nos chers champignons. Mettre un peu de... une petite pompe à essence, là. Petite... faire le plein. On va recharger notre cheval. Il est parti où le mec? Le frère. Il est là-bas. Ouais. Oh oui, je vais mettre les sous-titres. Voilà. Ah, c'est la fameuse ville là. Ville protégée. Vraiment une ville de cow-boy, hein, par contre. Ça, c'est vraiment l'Amérique. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. Allez. C'est bon, je m'en occupe. Vas-y. T'es sûr? Ouais. D'accord. Le frère est mieux fait, Joël je trouve il est... il était déjà bien fait de base. Le frère était un peu limite. Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. Bah bien sûr un mec, n'importe qui en fait pareil. J'emporterai ton secret dans la tombe. Quel secret? Moi je suis au courant du secret. Je suis au courant. Je vais le raconter à tout le monde. C'est un gossip. C'est une gossip girl. Plus tard, Tommy. Et d'ailleurs, il a pas de corde à sa guitare, donc je suis pas sûr qu'il joue très bien la guitare. Je suis pas sûr. À moins que c'est une arme secrète. Ça doit être une... un truc spécial, quoi. Un skill pour tuer du champignon. C'est madame. C'est madame. Hey oh.
Allez. Mais vous êtes toujours amis alors. Elle écoute du blues, du country. Elle est vraiment tendance. Il va lui faire peur. Mais enfin, mais c'est pas très sympa ça. Tu m'as foutu une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte, mais. Salut. Salut. Salut papa adoptif. Tu voulais quelque chose ? Rien de spécial. Tu sais, tout le monde est très impressionné par toi, par la façon dont tu sais te rendre utile. C'est cool. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et il a... Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est Ah, j'ai dû oublier. Gênant, quoi. L'horloge, quelle est... Joël, écoute, il est super tard et je dois me lever tôt demain matin. Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps, c'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Difficile leur relation. Il la considère comme sa fille, mais c'est pas sa fille. Qu'est-ce que c'est ? Une guitare sans corde. Par ici, les gens appellent ça une guitare. Ah, il a mis les cordes. Sans deck. Je peux te jouer quelque chose ? Ok. Super. Excellent. Tu me promets. Concerto pour un champignon. Que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. Oui, oui, il faut que je joue là. Ah, c'est quoi ça? Waouh, je joue la guitare. Je joue la guitare, c'est incroyable, putain, quoi. C'est super, j'avais jamais. Je sais pas jouer à la guitare en vrai. Et là, je peux jouer à la guitare. Incroyable. Putain, je vais faire de la guitare. Trop fort. Première fois que je joue à la guitare. Hein. Professionnel de la guitare, là. Je me suis impressionné, hein. Putain, c'est un Disney en fait. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this pain of me. All my stolen missing parts, I've no need for any more. J'ai eu de pleurer, quoi. Je vais pleurer. J'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Ah, ça a presque papa. C'est presque sa fille, donc. Tellement d'émotion, quoi. Et voilà, c'est tout. Eh ben, c'était pas si mal. Putain, on a rien à foutre, quoi. Quelle ingratitude, quoi. Il a avoué ce sentiment de presque papa, quoi. Elle est pour toi. Très jolie guitare. Non, je saurais même pas je comment la tenir. Je t'ai que je t'apprendrai à en jouer. Super. C'est vrai. Elle veut des guns, elle, hein, pour tuer des gens. Pas des guitares. Qu'est-ce que tu dirais d'une première leçon demain soir ?
bandit. Ok. Ok. Est-ce que... la blague t'est revenue ? Il n'y a pas de blague. Tu sais quel est le comble pour une horloge ? C'est de te voir tuer le temps. Et t'as pensé à elle ? C'est vraiment débile. Je l'aurais mal pris. Ouais. Je l'aurais mal pris. Allez, dors bien. Buonanotte. Ciao. Excellent. Ça commence, j'espère. Parce que là, pour l'instant, j'ai joué à la guitare et j'ai chevauché un cheval. C'est déjà 4 ans plus tard, mais le cours de guitare... Merde. Non, j'ai pas eu de cours de guitare. Chier. 4 ans plus tard, je me souviens maintenant. Salut. Bonjour. Désolé, j'ai dormi trop longtemps. Je m'habille et j'arrive dans une minute. C'est son mec. T'as passé une drôle de soirée ? Elle m'a embrassée. Tu connais Dina, tu sais comment elle est. Ça voulait rien dire du tout. Ouais, c'est ça, attends quoi ? Je parlais de ton engueulade avec Seth. Attends. T'as embrassé Dina ? Ah oui, c'est vrai. Oh. Elle est. Elle aime les filles. On s'est séparés depuis une semaine et tu bécotes mon ex ? Quoi ? Non. Quoi ? Elle voulait peut-être juste te rendre jaloux, moi je voulais pas... T'as, il va se battre, faut le tuer maintenant. Oh, putain, c'est trop gênant. Ça va ou quoi, t'es qui, mec ? Tu vois pas que je te fais marcher. Je m'en fous, ça va. Ouais, c'est ça, t'as un connard. Oh, t'es qu'un con. Hey. Ça va ou quoi ? C'était quand même pas très cool. Oh. C'est qui ce type ? Je vais le tuer. Dépêche-toi, on est en retard. Je vais le tuer, ok ? J'ai rien à foutre de ton ex. Ça pue pas. Ça pue pas ? Ta guitare, elle est où ? Elle est où sa guitare ? Faut prendre sa veste là ? Petite okay. Veste. Petite veste, petit gun, au calme. Ok, elle aime. Petit carnet de notes. Allez. Je me mouche, hein, excusez-moi. C'est important de se moucher dans Last of Us. On a des champignons qui poussent. Et la guitare. Je cherche la guitare. Est-ce que t'as une guitare ici ? La salle de bain ? Ah, c'est le luxe, hein, l'apocalypse. Petite chambre. Oh, c'est un garage. Ah ouais. C'est mal isolé, ça. C'est mal isolé, ça. Mais attends, c'est bizarre cette maison. T'as un garage et tu vas où ? T'as directement la sortie ? C'est trop bizarre comme architecture. C'était une maison avant, non ? Ils ont construit ça un peu n'importe comment ? Ok, j'accepte. J'accepte. J'autorise. Ah, y a un truc là. C'est un couteau ça ? Tu vas aller réveiller ? On a repéré les infectés au nord. Et elle a envoyé en patrouille avec Tommy. Ça craint. Ouais, faut pas du beaucoup dormir. Pas autant que toi en tout cas. Arrête. J'allais justement me lever. Mm-hmm. Si, je te jure. T'as tout ce qu'il faut ? Je vais l'éclater, lui. Ouais. Fais trop le malin. Fais trop le malin. Je te préviens, tout le monde parle de toi ce matin. Oh. Pourquoi ? Ok, petit résumé. T'as embrassé Dina. C'est elle qui m'a embrassé. Ce qui a conduit Seth à te traiter d'un truc pas sympa. Non. Ouais. Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. J'ai pas compris ça. Ah, Joël, il est amoureux de sa... C'était non, non, bizarre, pas dire la chose pareille quand même, pas sur Internet. Plutôt mouvementé. Mais tu cours comme un dingue sur la glace, tu vas tomber, hein, monsieur.
Tu vas tomber. Je t'ai vu faire des dérapages incontrôlés là. Elle est où? Au resto. C'est à propos de Seth? Aucune idée. Regarde, il glisse. Dis-lui que tu m'as pas vu. Tu rêves? Ouais, c'est vraiment pas cool. Il glisse beaucoup trop. Désolé. Hein. Allez, c'est pas ouvrir une porte. Je touche ta porte, vas-y. Gentleman. Donc, tu m'en veux pas, non? Toi? Oh, ça va, on s'en fout de sa gueule. Non, pas du tout. Dina et moi, c'est du passé. Je sais. Va se venger un jour. Je veux pas que tu penses. Ellie, tout va bien. C'est promis. Merci. C'est vraiment le cowboy land, quoi. C'est le western. C'est ça le post-apocalypse, alors. Le western. Et un petit chien, là. On peut dire bonjour. Salut, mon vieux. C'est vraiment un chien de western aussi. Hein. Ça, c'est... Il y a de la vie, en tout cas. Hein. Sa vie... C'est stylé. Ouais. Il est ragot, là. Salut, Jesse. Oh, salut. C'est vrai qu'il est bien fait, aussi. Très réaliste. Il s'est vraiment pas ouvrir les portes, quoi. T'as envie d'un petit déj? Non. Où est Maria? Derrière. Putain, c'est le bar, quoi. C'est le bar. Ellie, viens, je t'attendais. C'est qui celle-là? Ah, c'est la meuf de son... du frère de Joël, là. Quelque chose. J'ai aucune envie de discuter avec un fanatique. Fais-le pour moi. S'il te plaît. Oh, d'accord. Seth. Seth, viens là. Salut. Ils sont pas bagarrés hier? Écoute, hier soir, j'avais un peu bu. Ouais. T'es un pocheron, mec. J'essaie juste de m'excuser. Maria m'a dit que tu partais en patrouille avec Dina. Ben, j'ai préparé des sandwichs. Bah, jamais j'accepte un sandwich d'un malade qui s'est battu avec moi hier. Il a probablement mis du poison dedans. La viande. Merci, Seth. La viande de quoi? La viande de... Des grisons? La viande... Ouais. La viande de bon. Quoi? T'as craché dedans. Prudente. T'as craché dedans. T'as chié dedans, même. Je te remercie. Ils sont du chou caca, ouais. Quoi, ça? Un sandwich au caca. Mange-le bien. Mmh, ça sent bon. Le caca. Prends-les. T'es sûr? Vas-y. Elle a pas faim. Je t'en raccompagne. Ok. Bon. Qui veut se battre ici? Qui veut se battre dans ce bar à cow-boy? Allez. Vas-y, on va tous les flinguer. C'est tout désinfecté, ça. Ils le savent pas encore. En Eggs, partant, milk, bread. Ces deux-là sont partis depuis bien trop longtemps. Tu les retrouves où? Ils devraient être au poste de Gainan West un peu plus tard dans la journée. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ok. Une recrudescence d'infectés. La route de la rivière. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ellie, tu connais la route de la rivière? Non, pas vraiment. Dina la connaît bien. Oh, le petit bébé, il apprend à marcher, incroyable. Et c'est vraiment, la vie est vraiment bien foutue. Hein. Je trouve que on sent vraiment qu'on est dans une ville qui vit. Ils ont bien foutu, bien fait. Ellie, ça. Je peux te parler une seconde? Non. Parlons. Ça va? Pas de bisous. Je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. C'est sa crise d'ado. Il tient énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Sûr? Ouais. Ok. Ok. Excuse-moi. Sois prudente. D'accord. Hé, hey, Dina! C'est l'heure! On va voir Dina, sa meuf. Tu peux dire à ta copine d'aller aux écuries, s'il te plaît? Oh, putain. S'il te plaît. Dina? Je peux te parler? Elle est gênée. Hey, les gars, je fais une pause.
Oh non. Ça va durer longtemps. 10 heures. Ou 10 mois. Salut. Gênant, c'est gênant. C'est pas genre. Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave. Je comprends très bien. Elles sont gênées. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai commencé. J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et T'étais bourrée, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que c'est tu juste penses... de la bouteille. Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. À l'amoureuse, mais tu non. Sais ce que j'aime prends chez pas compte. Tu me laisses toujours finir mes phrases. Ok. On devrait se mettre en route. Ouais. C'est la romance. Non, ça va pas, non? Je joue pas avec vous, moi. Quoi? T'as la trouille? Je déteste vraiment ce gamin. On lui met la misère. Ah oui, c'est le tutorials. Ouais, bonne idée. Vous l'avez cherché? Gare à vos miches, les petits cons. Oh merde. On va faire le tutoriel. Vite. Oh. Allez. Ah, il faut prendre au sol, là. Ah, moi, je fais du... Je rampe, quoi. Allez, ramasse dans ta petite tête. Prends. Oh, il m'a chopé, il est où? Il est où? Ah, il est là, il s'est caché, là. Ah, c'est raté, ça. Ça, c'est raté. Je suis mort. Il est où, l'autre? Dans ta... Oh! Pour trop vite, ces gamins. Il est où? Il se cache, là? Allez, boum! Double shot. Mais ils sont combien, là? Mais attends, mais je... Chope-le. Ah ouais. Je vais t'avoir de très proche, là. C'est raté, ça. Pardon? Oh là, je suis rentré dedans. C'est tout là? C'est combien là? Ah, en plus, il y a un compte. Mais je suis nul. C'est vraiment une vraie mission, quoi. Et ils sont combien les enfants là? Ah, ils sont trois? C'est pour ça qu'on se fait avoir. Allez! Encore un shot. Un shot dans sa petite tête là. Merde, je suis vraiment nul. T'es trop nul. Bah ouais, merci quoi. Double? Double headshot? Voilà. Ramasse. C'est ça les crevettes. Alors, ça fait quoi? Non, sur elle. Vous allez pas vous en tirer. Saute. Stop. Lâchez la bande de monstres. Allez, c'était tout ça, mais on a du travail. Du vent. Oh non. Je l'ai bien mérité, non? Ouais. J'ai bien aimé. On y va. C'était très réaliste. Jesse veut qu'on prenne la route de la rivière. Il va relever Joël et Tommy. Oh, c'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. Tu vas aimer la balade. Petite montagne. Salut les filles. On est dans le Colorado, non? Bonjour. Je sais pas. Il fait quoi, là? Tu fais quoi, ton jus, là? C'est du sang, ça. T'as un vampire. Il y a des infiltrés, ici. Salut! Je m'en occupe. Merci. On fait quoi? Ah, c'est ça? Ça, c'est un bon cheval. Regarde qui est là. Merci. Allez. C'est parti pour le tour à cheval. Salut, Payette. Ah, regardez qui a décidé de nous rejoindre. Ouais. Un pour toi. Et un pour toi. Des cadeaux. Ouvrez les portes! Bon, écoutez-moi.
On y est. Vous connaissez le topo. Vous suivez l'itinéraire, vous prenez des notes et vous tuez les infectés que vous croisez. Si vous tombez sur plus gros que vous, vous revenez. Non. Pas de conneries, ok ? Bon, j'attaque les gros. D'accord. Les gros monstres. Allez-y. Ah, c'est l'attaque des titans, quoi. On va attaquer les gros monstres. On sort de la forteresse. J'ai hâte qu'on commence à tuer du champignon quand même. Si possible. C'est qui ça? Je connais pas cette dame. Tu rêvais? J'ai dit quelque chose? Non, Meta. Tu faisais grincer tes dents. Oh. Où t'es allé? Prends ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi? Qui sont ces gens? Entrez. Il m'inspire pas confiance. Moi, je veux pas être ces gens-là. C'est par là. Pourquoi je suis ces gens-là, moi? Je connais pas ces gens. Je parle pas aux étrangers. Ça caille. T'es sûr que tu veux pas faire ça quand il fera jour, avec quelques degrés de plus? Non, ça peut pas attendre. Tu veux pas me dire ce que c'est, au moins? Tu dois voir ça par toi-même. Tu fabriques à traîner comme ça, tout seul. J'arrive pas à dormir. Toi non plus? Plus on va vers le sud, plus c'est joli. Et si on continuait, on pourrait filer jusqu'au Mexique. J'y ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Manny. C'est vraiment le tutoriel. Ouais. Ah mais je me suis couché carrément. Quelque chose me dit que c'est pas aussi joli qu'il le dit. Ouais, t'as sûrement raison. T'as fait tout ce chemin dans le noir? Oui. Allez, viens. Ouah, le saut. Si on continue comme ça, on sera crevé avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Ouais, elle va bien. Elle est infectée. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. C'est très bizarre, mec. Là, jolie cascade, c'est bien fait la cascade. Très stylé. Tout est très beau en fait, hein. On est vraiment sur. La beauté. La beauté. Oh, le loupé! T'es trempé maintenant. Non, t'es trempé, ça doit être très. Ça doit être vraiment très désagréable d'avoir les bottes mouillées, les pantalons aussi mouillés. Que des histoires de love, hein. C'est Secret Story. De l'élan en courant. Je suis vraiment nul. Allez, je grave.
Faut vraiment courir, quoi. Allez, hop. Wow. Et ouais, on n'est pas tous aussi gracieux que toi. Bah ça. C'est foutu de ma gueule ou je rêve? Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Ah ouais. Vas-y. Ah, t'es vraiment con, mec. C'est pas comme... C'est pas comme s'il y avait de la neige, quoi. Regarde-moi. Abby. T'inquiète. Regarde pas en bas. Il y a juste 30 mètres de haut, là. Owen, faudra repasser par là, au retour? Ouais. Dis-toi que c'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te les carrer, mes peurs. Abby, arrête de me draguer. Non. On y est? No way. Putain. C'est carrément une ville. Ouais. T'en as parlé à quelqu'un? Je voulais que tu sois la première. Ils vont foutre la merde. J'ai vu des gardes armés patrouiller entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Débrouiller quoi? Ok. En admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre? Non. Non. On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. C'est des connards. Je vous avais dit, c'était des connards. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il aura pas le choix. Moi, je contrôle pas les connards. Mais tu t'entends. T'as une meilleure idée? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen? Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Le choc. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai? Convaincre de quoi? Tu veux te battre? Avec Joël? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux à Joël? Je peux compter sur toi. Abby. Qu'est-ce que tu t'en... Je veux la même chose que toi. Ouais, T'as deux meufs, mec. Là, c'est du suicide. T'as deux meufs, dont une qui est enceinte. Hey. Arrête. Tu fais pas le malin. En plus, tu veux tuer Joël? Déjà, il s'appelle Joël, le mec. On se voit à ton retour. Un prénom mixte. Alors, fais bien gaffe. Fais bien gaffe à Joël. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais, comme ça quoi. Je suis pas ok avec ça. Hein. Rien à foutre. Rien à foutre. Ouais, c'est ça. Tu vas juste te faire éclater. C'est par où? C'est quoi ça? On va où? Tu vas jamais savoir revenir, hein? Ah oui, c'est pas. Le poste de guet est pas si loin.
Allez, on avance. Très stylé. Oh. Très très stylé ce... C'est vraiment bien foutu. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il était amoureux. Merde. Quoi? C'est quoi ça? T'es vivant? Ah ouais, ça commence alors. Il y en a plusieurs là, ils ont... Ils ont fait quoi là? Ah, ils ont fait... Ça en fait beaucoup. Ouais, ça fait énormément de cadavres là. Ils vont se réveiller. On va où? Là, je marche sur vous, désolé hein. Je sais pas où je vais là. Attends, c'est quoi cette merde? Je vais où là? Ah, c'est là. J'ai 5 balles. 5 balles pour infiltrer une ville entière. Oh putain. Ouais, ça, c'est le cas de le dire, quoi. Dégage. Mais allez, quoi, un peu de respect pour ce cadavre. Mais c'est beaucoup trop, ça. C'est beaucoup trop de cadavres. Ah! Quelle horreur! Enfin, il est qui ce type? Tue-le! Tue-le! Ouais. Il fait peur, hein? Corps à corps! La bagarre! J'ai tué la bagarre. Il est fou ce type. Quoi? Dans la tête. Je suis désolé, hein, mais voilà. Vraiment, il faut prendre ses responsabilités, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est violent, quoi. C'est hyper réaliste. L'effusion de sang, quoi. Toi, là. C'est loupé deux fois. Ils sont combien là? J'ai plus de balles. Ça va être une bonne bagarre là du coup. Ça va de la bagarre. Mais enfin, ça va ou quoi? C'est une bonne bagarre, j'ai dit. Pas une bagarre où presque je meurs quoi. Putain, j'ai plus qu'une balle, j'en ai loupé deux quoi, nul. Merde, mon épaule. Ah oui, t'es médical. Ah oui, c'est comme ça. J'espère qu'avec elle on fait juste le tutoriel hein, parce que moi je l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Et quoi, moi je loot hein. Y'a rien à looter. Ah si. Comment je fais pour sortir d'ici? Ah, il faut aller en dessous. Attends, d'abord je loot. Y'a rien dans cette baraque. Bon, apparemment il faut juste aller dans les bas-fonds. Très mauvaise idée, Abby. Comment ça? Oh, merde. Et enfin, qu'est-ce que tu fais là, mec? C'est pas un endroit pour traîner, quoi. Non, y a rien à faire ici, hein. Thank you.
Ouais, mais tu tombes okay. Comme une merde à chaque fois. Hein. Il peut pas être loin. On entre par où? C'est par là? Non. C'est par où? Il y a une porte? Ça c'est quoi là? Un. Putain, c'est bien caché. Hein. La connasse. Ah oui, c'est vrai, on peut écouter à travers les murs. C'est un peu mieux fait. Clairement, c'était. Tu voyais au travers les murs. C'était. Différent, quoi. Si tu t'imagines qu'il y a une forme humanoïde. Quelque part. Oh, elle a vécu, là. Elle a vécu. Y'a pas des balles? Des petites balles, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Super. Trouver des petites balles. Salle de bain. Chambre, ok. Salle de bain, on a quoi ici? Très sympa. Elle se prend bien les murs en fait. Hein. Elle est un peu. Il y a beaucoup de toilettes. Ils ont combien de toilettes là? Deux toilettes? Ou je rêve? Non. Bah si, il y a deux toilettes. Enfin. Mais enfin, c'est quoi ce. Faut se respecter un peu quoi. Ah oui, ok. Ah oui, les connards. Il y en a un. On va se faufiler discrètement derrière ce monsieur. Oui, il veut me montrer quelque chose à mon avis. Il veut montrer que. Tue-le. Tu le tues. De manière efficace. Voilà. C'est tout ce qu'il y a dans cette baraque? Il y a plus de. Il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose. Quelqu'un qui est pas bien là. Tout ce qu'on a ici? Attends, quoi il bouge? Non. Tu restes bien où t'es? Pendant que je vérifie ce qu'on a ici. Ça se prend ça ou pas? Ça a juste un vase. Il pleure le pauvre. Plein? Carrément, j'ai déjà. Ouais, ok. Ça, il est devant moi, quoi. Ça craint, ça. Alors que je lui envoie une balle dans la tête. Que je vais louper, bien sûr. Oh, yo, 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 yo. Ça a été d'un choc épouvantable. Ça vous apprendra. L'effusion de sang est. Oh là là, c'est trop bien fait. C'est quoi? Comment ils ont réussi à faire des choses pareilles? Ils ont fait des tests. Ils ont fait des tests à mon avis. Putain, je sais pas où je suis. Tu peux te lever, hein. J'entends des monstres. Ils sont où? Merde. Ils sont où? Ah, il arrive là-bas. Le petit connard là. Viens, 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 viens. Regarde ça. Regarde ça. Je peux la voir. Hein. Si on fait ça discrètement. Il est pas bien. Il est pas bien. Faut pas qu'il me voit. Monsieur, vous avez un problème?
Je crois que vous avez un problème, vous tournez en rond là. Allez hop! C'est fini pour toi. J'abrège tes souffrances. Ah, il y avait une petite balle. Ils sont encore là? Il y en a encore un là? Ah ouais, il y en a trois. Il y en a un là. On va pouvoir prendre. Voilà. Il est décédé. Maintenant, il y en a deux là. Dont. Je crois que c'est un rocker l'autre. Ouais, c'est un rocker. C'est un rocker. C'est un punk. Je savais bien que c'était un punk. Ils sont combien là? Non, ils sont deux. Ouais, ils sont deux. Le punk, il y a moyen de l'avoir. Il faut juste qu'il revienne. Je crois qu'il fait du headbanger. Headbanging. Ouais, il fait du headbanging. Ça change pas de base, quoi. Ça change pas, quoi. Infecté, pas infecté, même mouvement. Ah, c'est rocker, hein. Je te jure. Regarde. Le son est bon. Le son est bon. Le son est très, très bon, même. Allez, hop. Oh! Oula, connasse! Non, c'est trop, là! C'est une vraie bagarre, là! C'est une vraie putain de bagarre. Contre des rockers, hein. Je me suis fait avoir par le rocker. Et c'est des bons bagarreurs, hein, les rockers. Ça, c'est... Y'a rien à faire. Faites qu'il n'y en ait pas d'autres. Très efficace. Ça va, ils m'ont pas trop amoché, ça. C'est des petites frappes. On peut passer par là? J'ai oublié de passer par là ou je peux... À ma guise. C'est à ma guise. Tu peux te relever, hein, maintenant, ça. Il est pas. Ah, c'est des chevaux. Où est la patrouille? Oh non, ils vont s'attaquer à... Oh non! Ils vont s'attaquer à Ellie? La connasse. La connasse. Allez, viens. Par ici. Allez, viens, on est bien. Est-ce qu'il te manque? Je regarde si... Attendez. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Écoute, je regarde si quand il marche sur la glace, ça se casse. Ça se casse, c'est trop bien fait. Waouh. Incroyable. C'est incroyable. Super. Tu sautes maintenant. Comment ça se fait, je n'en ai jamais parlé avant. Ça parle toujours de mecs, de meufs, là. Des Secret Story, toujours. Hein. De Kat. Qui Kat? Ouais. C'est qui encore Kat? J'ai oublié. Pas grand-chose à dire. J'ai oublié Kat. J'avais c'est pas sa meuf pas au début? Non, c'est pas pour ça. Tout dire, je m'en fiche totalement. Ça n'a rien à voir. Ok. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Quel tatouage? C'est gentil. Un tatouage? Mais je pense qu'elle était pas faite pour toi. Ah, c'est elle qui l'a tatouée, c'est ça, c'est son okay. Ex. Ok. On galope. On galope, c'est parti, on galope. On galope. Avec ma nouvelle meuf. Il galope bizarre son cheval à lui. Il est cassé son cheval. Ayotte.
Ça doit être chiant d'être un cheval, hein, quand même. T'es attaché, tu restes là, tu bouges pas. Tu veux voir un truc hallucinant? Tu restes là, bien droit. Non, hallucinant, c'est pas le mot. Qu'est-ce que tu vas faire? D'accord. Allez, la débile. La débile. Attends, moi je vais en dessous. Je vais voir si elle est... Ah oui, j'aime bien m'accroupir. Excellent, une balle. Une balle. Toujours mieux que rien, hein, parce que... Y'a pas autre chose? C'est par là. Petite toilette, y'a beaucoup de toilettes. On chiait beaucoup avant l'apocalypse. Hein. On a des latrines. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein? Magnifique. C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool cette route. Ah, c'est que j'ai mal à la tête. J'ai le truc de la casquette qui me rentre dans le crâne, c'est incroyable. Ça fait mal? Faut enlever ça. Attendez. Faut le mettre comme ça. Voilà. Ça fait moins mal. Ah, c'est ça que ça me faisait vraiment mal, je sais, c'est causé. Bon, il faut profiter de la vue apparemment. Super. Petit pont. Petite montagne. C'est haut ou pas? Ça va. Tu pourrais tomber quoi. On fait quoi? On se casse? Elle est partie? Elle est partie. Tu faisais cette patrouille avec qui avant? On m'a fait peur. Jessie? Eugène. Oh ouais, Eugène. Eugène. Il était trop drôle. Oh ouais. Eugène, c'est le papa de Chien Foussard. Hein. Non, c'est Stache. 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 En plus, il m'a appris à recâbler des circuits et d'autres trucs dans le genre. J'espère avoir autant la patate à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Elle va grimper. Super. C'est l'armée ici. Je pourrais grimper, j'espère. J'ai toujours rêvé de faire ça. Trop stylé. Signe le registre. C'était quoi cet endroit? Il y a un registre? C'était une tour radio avant. C'est ça? Moi je signe, hein. Et il y a un bang, hein, là. Moi je dis ça, j'ai rien. Il y a des bangs, là. C'est quoi ce délire? Pourquoi il y a un bang? J'imagine que le bang, c'est celui d'Eugène. Il y a vraiment un bang, quoi. C'est lui qui me l'a donné. D'ailleurs, t'en as sur toi? Excellent. Oh, j'aimerais bien. Eugène en avait toujours. Ah, ça fume des gros bangs, quoi. C'est pas sérieux, hein. Tu fumes un gros banc, tu te fais attaquer par un monstro là. Tu sais plus conduire ton cheval. Hein. Aucune sécurité hein, dans ce monde apocalyptique. Post-apocalyptique. C'est pas sérieux. Il où ce registre? Parce qu'il y a des banques, il n'y a pas de registre. Hein. Ah, c'est le registre. Dina Eugène. Dina Eugène, on a trouvé un cheval coincé dans la glace, sauvé. On le ramène au camp. On va pas au prochain poste de guet. Dina Eugène, rien à signaler. Attends, ça se lit dans quel ordre? C'est comme ça. Jesse Astrid, un claqueur dans le sous-sol du 2358 Mountain View, éliminé. Ah, Greg Bonnie. Chèvre morte. Près de la maison de retraite Sunny Days. Trois coureurs à l'intérieur. Éliminés. B.
Inagène, un coureur sur la route principale, éliminé, D. Greg Bonny, rien à signaler, pas de manège. On va rester ici pour la nuit, B. Jesse William, RAS, W. Lina Eugène, trois coureurs éliminés à l'extérieur de la banlieue, rien à signaler, sinon. Lina Eugène, serre, mort, trouvé juste devant la tour, trace de morsure, mais pas d'infecté dans les parages. Lina Eugène, RAS, forte tempête, la rivière déborde, on reste ici cette nuit, puis demi-tour demain matin. Lina Eugène, RAS, Jesse Dina, trouvé des empreintes, on les a suivies jusqu'à un petit campement, deux adultes et un enfant qui ont besoin de soins. On les emmène direct en ville sans passer par le prochain poste de guet. Tommy Joel, RS. Greg Bonny, RS. Deux claqueurs près de la station-service éliminée, RS. Waouh! Quelle vie palpitante. Bon, on va signer alors. Et voilà. Ouais, c'est bon, j'ai fini, qu'est-ce que tu veux? Viens voir. C'est tout? La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Il y a une ville ? Ah, c'est une nouvelle ville ? Ça a l'air pas mal, ça. Voilà la ville. Avec l'espèce de grande tour. Ouais, c'est là qu'est le prochain poste de guet. Nice. C'est un supermarché ? Ouais, on va y passer en allant dans la ville. En course ? C'est tout ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Excellent. Il y a un téléphérique, là. Ah, je vois le chalet de ski, qui est sur l'itinéraire de Tommy et Joël. Ouais, c'est celui-là. On va faire du ski. Bah écoute, c'est fini, hein. Viens, on retourne aux chevaux. Let's go to the chevaux. Question. Tu portais pas déjà les mêmes fringues hier ? Mais enfin... Elles sont propres. Mais enfin, c'est tellement impoli ce que tu racontes. Tu me respectes. Elle a mis du axe. C'est une patrouille. On est là pour buter des infectés, pas pour un défilé. C'est quand même canon. Quoi ? Enfin, elle adresse ouvertement, quoi. Ouvertement, elle se cache plus. Hier, elle était bourrée, mais là, elle est plus bourrée. Hein. Elle y va franco. Hein. Allez, Udaza, tu sautes. On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC ? Non. Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. Il est mort, quoi ? Eugène ? Jamais de la vie. T'es trop imprudent. Mais même c'est trop bien fait, attendez, regardez. Tu cognes le truc, tu cognes le sapin et la neige tombe, mais c'est incroyable. Avec des baskets en toile dans la neige. Les détails sont exceptionnels en fait. Tu sais comment tu vas mourir ? C'est ouf. Laisse-moi deviner. Tu vas me tuer ? Ouais. Trop bien fait. J'ai pourri ta blague ? Non ! Entre ça et la glace sur la rivière, c'est trop stylé. Regarde, j'ai envie de casser la glace. J'ai cassé la glace, trop bien. J'ai cassé la glace. Trop stylé. Il y a eu un tank ici. Hé, hey, tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons ? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Bah ok. On va où alors ? On peut aller là-dedans ? On peut tout visiter. C'est un monde ouvert. Moi, je crois pas, hein. Qu'est-ce que tu sais sur cet endroit ? C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, on l'échappe sur le périmètre extérieur. Ah. Tu fais quoi ce soir ? Une Zumba. Une Zumba, ouais. Je pensais faire une soirée film avec Joël. Oh. Ah merde. Ah non, elle était intéressée. Elle est vraiment intéressée. On s'est rentré dans cette baraque ?
allez regarder quoi comme film? Il aime quoi, Joël? Curtis et Piper 2. Ça fait un moment que je veux le regarder, celui-là. Ah, ok. On se regardait souvent des films d'action des années 80. Il est complètement fan. Ah, ah, des gélules. C'est plutôt pas mal, en fait. Et toi, alors? Tu fais quoi après ça? Avec les autres, on parlait de... On va jouer à la bouteille encore. La luge. Ça a l'air marrant. Ouais. Tu veux qu'on se retrouve après? Oh là là, mais elle est... Okay. Elle est très intéressée par madame. Peut-être que je te jouerai quelque chose. Ok. Elle est très intéressée par madame. C'est le love. Ça parle de quoi, Curtis et Viper 2? De love. C'est deux anciens commandos qui abandonnent tout pour combattre des méchants. On peut monter là en haut ou pas? Et je crois que dans celui-là, ah ouais, ils affrontent des espions russes. C'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Ok, donc le jeune Viper a suivi un entraînement de ninja. Et il déchire vraiment tout. Mais il a quel âge dans le premier film? On va couper leur conversation directement là, parce que c'est un peu trop intense. Attends, il y a eu combien de films alors? 4, je crois. Bordel. Tu peux la fermer en fait. Est-ce que tu... Ouais. Tu peux la fermer s'il te plaît. Merci. C'est sympa. Cher Père Noël, j'ai été sage cette année. Tu veux bien m'apporter un gros chien s'il te plaît? J'en ai besoin pour protéger mon papa quand il part chercher à manger. Il pourrait aussi nous aider à défendre la maison contre les monstres. Et puis, il me tiendrait compagnie quand mon papa s'enferme tout seul dans la chambre. Qu'est-ce qu'il fait tout seul dans la chambre? Merde. On peut retourner, attends. Tu crois que quelque part, il y a encore des gens qui font des films? Sûrement. Ouais, des films, ouais. Qu'est-ce que t'en sais? Des films un peu gore, à mon avis. Ils sont tous comme nous. Ils survivent jour après jour. Bah, je continue d'écrire de la musique, donc si quelqu'un a une caméra... Attends, quoi? Il y a des chansons originales d'Eli? Je vais m'énerver avec elle, ouais. Elle se fout de ma gueule continuellement. J'en sais rien. Tu m'en joueras une ce soir? Allez, quoi? Je vais y réfléchir. Ah, en bas. Attendez, je vais juste lire ce que je venais de lire. Lettre au Père Noël. Non, il y avait un autre truc derrière. Ah, voilà. J'aimerais bien qu'il ressemble à ça. Tu pourrais aussi m'apporter un pistolet. Si j'étais plus fort, je crois que ça ferait plaisir à mon papa. Merci beaucoup, beaucoup, Eric. Waouh, très beau chien. Très beau chien. Par contre, je crois savoir ce qu'il fait tout seul dans sa chambre. Et heureusement que... voilà. Tu ne sais pas. Tu n'aurais jamais savoir. C'est la solitude, hein. Faire attention à ça. Est-ce qu'on peut aller là-bas dans la baraque là? Parce qu'il y a des baraques, en fait on peut tout visiter, j'ai l'impression. Bon, il y en a qui sont écroulés, mais... Genre là au-dessus on pourrait aller. Allez, on va aller. Hop. Excellent, il y a des pilules. Des anxiolytiques. C'est quoi ça maintenant? Trop bien, c'est... Oh, je l'ai pas celle-là. C'est un sticker. C'est une des cartes de super-héros que tu collectionnes? Ah, ouais. C'est quoi? Tesseracter. Identité inconnue, intelligence 80, force 60. Affiliation Society of Shape Champions. On ignore d'où ou de quand provient ce mystérieux être transdimensionnel. Surgit de nulle part, sa capacité à se déplacer à travers un espace à quatre dimensions lui a permis de renverser le cours de bien des batailles. Cependant, ce pouvoir l'affaiblit et le laisse aussi vulnérable qu'un nouveau-né. Le surnom de Tesseracter lui a été donné par la Society of Champions, qui ignorait son nom. Certains pensent que Tesseracter garde volontairement sa véritable identité secrète, neutre. Eh ben super, Tesseracter. De type neutre, donc. Bon, c'est tout ce qu'on a, hein. On peut se casser d'ici, je crois. Ouais, on se casse. Boum!
Même la chute est réaliste. Tout est réaliste. Allez, on continue la petite balade. On peut la visiter, celle-là ? Non. Celle-là non plus. Allez. Je crois qu'on peut, on peut reprendre le cheval, non ? C'est quoi ? C'est mort, ça. Ellie, oublie pas Payette. Elle est où, Payette ? Ah. Ok, ok. Bah, elle sait pas me suivre, en fait. Elle m'a suivi jusque-là, donc elle pourrait me suivre jusque-là-bas. Let's go to Payette. Tu sautes, hein. Y'a rien d'autre à visiter, là. Le petit ranch, là. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain de merde. Oh, c'est pas vrai. Oh, ça pue. C'est des infectés qui ont fait ça. Ils ont bien mangé. Tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan? Pas qu'un deux. Seul. Moi, je pense qu'avec deux, s'ils ont faim, c'est réaliste. Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se demande bien ce qui va se passer. Hein. À mon avis, avoir une petite rencontre fortuite. Merci beaucoup d'avoir regardé donc ce premier épisode de The Last of Us Partie 2. On se retrouve très bientôt pour la suite déjà et pour probablement un autre jeu, donc on verra un petit peu qu'est-ce que je fais. Il y aura probablement toujours des jeux en un épisode et des jeux en plusieurs épisodes plus longs, des classiques hein, peut-être, ou les nouveautés, on verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo si vous avez apprécié, et on se retrouve très bientôt. Passez une très bonne journée, une bonne soirée. Au revoir. Gros bisous.